Salut à toutes et à tous, la nuit est plutôt pluvieuse sur cette enceinte, mais je trouve que ça donne un certain charme à cette atmosphère et à ce match. On va voir ça tout de suite. Et pour vous faire vivre ce match, la team Dada, ça marche dans tous les sens. Benjamin Da Fonseca avec Omar Da Silva. Bref, au menu, c'est donc un match de groupe dans cette UEFA Champions League, FC Copenhague contre Leipzig. Consistance, rigueur, détermination pour aller loin dans une compétition. Il faut absolument réussir la phase de groupe. C'est important pour mettre en place une dynamique positive dans l'équipe. De cette équipe. Il n'y a pas de vérité. Tous les styles de jeu sont intéressants. Là, on va voir un style classique avec ce 4-3-3 avec deux ailiers. Voici la compo de Leipzig. Disposition assez classique avec ce 4-4-2 à plat. Ça permet une bonne domination de l'espace. C'est parti avec le coup d'envoi dans ce match. La passe pour André Silva. Oh, ça peut aller au but. Mais quel tir surpuissant à mi-distance. Ça passe vraiment pas loin. Ah, et ce ballon est repris suite à ce duel. Alors on va scruter sa performance de près, mais on peut s'attendre quand même à un gros match de sa part. Sa caractéristique, on la connaît. C'est sa lucidité, sa précision, son aptitude à être dans le bon endroit avec le geste juste. Ses qualités de finition te donnent une grande sérénité quand tu rentres dans la surface. C'est dégagé sur ce centre. Oui, c'est une bonne défense avec cette interception. Bien joué dans la profondeur, bien reçu dans le dos de la défense. Le centre qui est contré. Et le ballon sort du terrain, c'est donc une touche à suivre. Allez, peut-être, pourquoi pas, le danger est là. Attention à cette passe. Et le gardien arrive en premier sur ce ballon. C'est un ballon intercepté. Ballon pour Nkunku. L'arbitre laisse l'avantage. Allez, l'équipe pousse pour aller chercher le but et prendre l'avantage. Allez, le drapeau se lève, c'est finalement un hors-jeu. Voilà un ballon littéralement rendu à l'adversaire.
Bon ballon là, donné dans l'espace. Ouais, bon pressing, bonne récupération. Coup franc, faute signalée par l'arbitre. Ouais, sans danger ce ballon. Ballon intercepté, bonne intervention. Leipzig va mettre une attaque en place. Un ballon bien travaillé sur ce centre. Ah oui, quelle occasion et quelle parade! Sur ce genre d'action, c'est difficile d'intervenir. Une magnifique parade. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Le ballon pour Szoboszlai. Oh, la tentative! Très bonne détente du gardien pour aller chercher ce ballon. Voilà qui est bien défendu, c'est bien joué. Le ballon pour Szoboszlai. Ouais, une bonne charge. Peut-être un bon mouvement offensif pour Leipzig. Nkunku peut-être pour reprendre. Oh oui, quelle parade! Je la voyais dedans cette tête, mais le gardien a fait un exploit. Cornea. Le geste est raté, l'action n'est donc pas terminée. Ballon vers la surface de réparation. Ah là là, la faute, l'intervention, le tacle, c'est un peu violent tout ça. Qu'est-ce que veut dire l'arbitre? Faute, et donc l'arbitre brandit le carton jaune. Oui, bonne décision. Ballon bien frappé en direction de la surface adverse. Bon, le geste défensif est manqué, le danger reste présent. Ah non, ça s'arrête là. Oui, bon geste défensif. Touche à suivre. On est dans une sorte de possession stérile des deux côtés. Il n'y a que des petits passes. Tic, tic, tic. Aucune passe de pénétration en profondeur. On dirait la promenade du dimanche. Il n'y a pas de rythme. Et le gardien s'emploie comme il faut. Sacre ambiance avec le public qui vibre avant ce corner. Première occasion de mener depuis longtemps. Ballon mal dégagé, la défense reste en danger. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Ah, la défense un peu lente pour redescendre. Nkunku peut-être pour reprendre. Et c'est capté, là sans trop de problèmes. Leipzig qui a de la liberté sur l'aile. Sans problème dans les bras du gardien. Et ça y est, l'arbitre qui indique la direction des vestiaires. C'est la fin de la première période. Au niveau offensif, sa prestation est loin de ses standards habituels. C'est franchement pas mal. On attendait de la magie, de la créativité, de la virtuosité. Et puis finalement, on n'a que de la frustration. Le football, c'est un peu comme l'amour. Parfois, ça marche pas. L'arbitre vient d'indiquer le début de cette deuxième mi-temps. Place au jeu. Le dessus sur l'adversaire et ça peut être dangereux. Oh là là, grosse occasion manquée sur ce ballon en profondeur. Aucune difficulté pour le gardien, il y avait vraiment mieux à faire quand même. Oh là là, la faute sur ce tacle très mal contrôlé et ça m'étonnerait que l'arbitre en reste là.
et l'arbitre estime que cette faute mérite un jaune. Ça me paraît juste comme décision. Et c'est récupéré ça. Ah, il y a sans doute un bon coup à jouer là sur cette attaque. Très facile. Facile pour le gardien cette balle. Quel ballon dans le dos de la défense. Ouais, la parade. Un corner qui est bien ajusté, c'est mal renvoyé. Attention aux conséquences derrière. Ouais, superbe défense. Perte de balle dans une zone hyper dangereuse. Attention. Soboslay avec le ballon. Ah, c'est le moment de prendre l'avantage. Et le gardien s'illustre bien. C'est un corner bien joué, bien frappé. Et la balle captée sans difficulté et une occasion assez bêtement gâchée. Ouais, parce qu'à cette distance, c'est but à chaque fois. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Ouais, il est passé, c'est bien fait. Et ouais, le bon geste défensif. Sans commettre de faute. Jamais évident de siffler des fautes dans la surface, mais pour les soupes. Revenez au jeu, regardez! Paradon de la part du gardien! Ça joue avec Bardiol. Voilà le bon geste défensif. C'est contré. Le ballon change de camp. Ah, il faut bien négocier ce ballon. Un ballon bien travaillé sur ce centre. Et la main ferme pour envoyer le ballon par-dessus le but. Pourquoi pas prendre l'avantage sur ce corner. Aïe, 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 la mauvaise relance. Et du coup, attention derrière. Ballon dégagé sur ce centre. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Ouais, ballon récupéré grâce à cette interception. Et le tir. Ah, le ballon est contré. Bonne intervention, la passe est interceptée. Ouais, le ballon en cloche par-dessus, c'est bien joué. Un ballon capté sans problème. Et Leipzig qui a de la liberté sur l'aile. Et le face-à-face à venir. Goal ! Dans les derniers instants. Voilà pourquoi on aime le foot. Pour un scénario comme ça, absolument incroyable. Goal, golazo, golcito, tutti est. Quand le temps compte entre les minutes, le talent a choisi son destin. Son but en fin des matchs déploie nos émotions.
C'est un moment clé dans ce match. Ce but risque bien de faire la différence. Il reste très peu de temps pour égaliser. Eh bien vu la passe de Werner. Goal ! Et ça continue de plus belle avec un deuxième but dans la foulée. Regardez, elle est magnifique cette passe laser. Elle est télédirigée et il vient ouvrir tout à la défense. La finition à mi-distance avec cette frappe parfaitement en équilibre qui absorbe toute l'énergie. On la revoit, elle est imparable. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Le ballon sort, c'est une touche. Et nous voilà dans les 5 dernières minutes du match. Alors il y a contact, mais l'arbitre fait signe de jouer, de continuer. Il laisse l'avantage. Ouh, l'occasion de revenir. Oh, et la parade. Forsberg qui reçoit la balle. Intervention risquée, mais ce ballon est récupéré. Il y aura donc 2 minutes de temps additionnel à jouer. Ah, c'est joué dans le dos de la défense. Ah, c'est magnifiquement défendu, ça. C'est terminé, la fin donc de cette rencontre avec une victoire pour Leipzig. C'est une magnifique performance réalisée par toute l'équipe. On a senti une très grande maîtrise. 2 buts d'écart pour une victoire pleine d'autorité.